1,000 pounds of thrust, horsepower, excuse me, and they're powering Dower T composite propellers. The avionics have been completely changed. Wayne Roberts, the very calm pilot of this aircraft, when he makes this flight demonstration, pushes to the maximum the capacity of this enormous aircraft, upgraded to the latest avionics, the C-130J Hercules. Un avion qui fait 76 tonnes à pleine charge, c'est-à-dire déjà un assez gros avion avec une charge marchande de plus de 20 tonnes, mais donc un avion qui a été construit à plus de 2200 exemplaires depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, des Hercules, il y en a absolument partout. Il y en a dans 50 pays du monde. Il y en a dans 50 pays du monde, il y en a aux quatre coins du monde. Vous allez n'importe où et vous voyez des Hercules qui volent un peu dans toutes les armées, mais aussi chez des opérateurs civils et chez les Nations Unies. Il y a aujourd'hui sur cette version, la version C-130J30, il y a 257 machines commandées, ce qui veut dire qu'en fait la race n'est pas près de s'éteindre. C'est un avion qui a été un peu allongé au fil des ans, mais ça fait rien, ça reste quand même. Il y a la signature, il y a... C'était l'époque où on dessinait encore les avions. Aujourd'hui, ma foi, les ordinateurs arrivent à des solutions aérodynamiques qui sont fantastiques et très efficaces. Mais à l'époque, je sais pas pourquoi, il y avait un coup de crayon. Le museau du Hercule est quelque chose d'assez incroyable. Et la manière dont Wayne Roberts le pilote aux quatre coins du... Enfin, pas quatre, il doit y avoir 16 coins à peu près au volume des présentations en vol du Salon du Bourget, car ici nous sommes coincés pour ce qui est des évolutions aériennes entre les localités environnantes qu'il faut éviter de survoler à trop basse altitude, où il faut éviter de faire trop de bruit, et puis là-bas, devant... En direction de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien, il y a les axes d'approche ou de départ de Charles de Gaulle avec le trafic qu'il faut évidemment éviter d'aller côtoyer. Par conséquent, ça pose pour les pilotes en l'air des problèmes de confinement de l'espace, confinement d'un espace virtuel qu'il faut arriver à visualiser, même s'il n'y a pas de balises qui permettent de le faire, qu'il faut bien visualiser et qui, pour les contrôleurs des vols, est visualisé par les traces radar. Eh bien, Wayne Roberts réussit à garder cet Hercule à l'intérieur de ce volume torturé. C'est pas un mince exploit. En matière de pilotage, ce que vous voyez là, c'est un grand, grand, grand moment. 257 C-130Js have been ordered and already 172 have been delivered. The United Arab Emirates Air Force has announced an order for 12 C-130J transports earlier this year. The aircraft is fitted as well as new engines. It's got an advanced two-pilot flight station, fully integrated digital avionics, color multifunction liquid crystal displays, head-up displays. And Wayne Roberts is exploiting these to the maximum in maintaining this enormous aircraft within the very limited display volume here at Lebozer. Volume limited by the proximity to built-up areas and also to the north of us, the airport of Charles de Gaulle. And throughout the show, the arrival and departures from Charles de Gaulle continue. The result is a very restricted volume for the display pilots to operate in. And Wayne Roberts presenting us with a masterly display of performance from this C-130J. No lightweight aircraft. The empty weight, 87,000 pounds. Maximum takeoff weight, 167,000 pounds. It can cruise at and operate easily at 270 knots with a maximum range of 3,700 nautical miles. Les statistiques vitales du Hercules.